encore une fois à s'amuser en s'entraînant de la maison avec moi, Marie-Claude. Aujourd'hui, on va faire une session d'entraînement avec les bandes élastiques pour travailler sur notre renforcement musculaire, pour renforcer nos muscles et nos os. Alors aujourd'hui, on va juste avoir besoin d'une chaise et d'une bande élastique. Et juste encore une fois, j'aimerais vous rappeler que on veut seulement faire ces exercices si vous vous sentez en sécurité de les faire. Et rappelez-vous que vous pouvez prendre des pauses si vous avez besoin. Vous pouvez appuyer sur le pause button puis recommencer quand vous êtes prêt. Et vous pouvez aussi éviter les mouvements qui vous causent des inconforts. Donc avant de faire des exercices de renforcement, on veut toujours s'assurer qu'on est bien réchauffé. Donc, on va faire un petit réchauffement et encore une fois, comme le dernier exercice, on veut s'assurer de porter un soulier avec une semelle plat antidérapante. Alors, on va commencer avec notre réchauffement. On va juste simplement marcher sur place. So, c'est très important de faire un réchauffement avant qu'on fait des exercices pour préparer notre corps. Réchauffer les muscles et les articulations. Alors, on va aller d'un côté à l'autre. On y va. On va passer à travers une couple de différents mouvements ici, juste pour préparer notre corps encore une fois pour faire des exercices. Et on va fléchir les genoux, une jambe à la fois. Talons en avant, on va essayer de lever les orteils ici. Pour étirer le mollet un peu. Et on va à côté avec la jambe. On tape l'orteil à côté. Et en arrière. Tape l'orteil en avant. Et on marche sur place. On va ajouter des mouvements avec les bras maintenant. Faire des plus gros mouvements pour se réchauffer encore un peu plus. Donc, on lève les bras et on lève les doigts. On descend les doigts. On travaille les poignets un peu. Et un pont ou l'épaule. Un peu plus gros avec le bras, coude vers le haut. Et avec le bras au complet, un grand cercle avec le bras. Et flexion des genoux, on tire les bras. Talons en avant, on lève les orteils et on lève un bras à la fois. On va à côté avec l'orteil et on ajoute le bras. Tape l'orteil en arrière, on pousse et on tire. Travaille la coordination un peu aussi. Tape l'orteil en avant, on fléchit un bras à la fois. Et on marche. Une autre fois à travers et ensuite on va reprendre notre bande élastique. On lève les bras, doigts en haut et en bas. Un pont, on roule l'épaule. Un peu plus gros avec le coude. Avec le bras en entier. Et on fléchit. On tire les bras. Talons en avant.
Arte à côté. Arte en arrière, on pousse et on tire. Pousse avec la poitrine, on tire avec le dos. Arte en avant, on fléchit un bras à la fois. Est-ce qu'on est un petit peu plus réchauffé à la maison? J'espère que oui. Un autre mouvement, on lève le genou, un à la fois. Et on va grimper l'échelle, donc on lève un bras, ensuite l'autre. Et on marche. OK, on devrait se sentir un petit peu plus réchauffé là. Donc on va aller chercher notre chaise et notre élastique. Donc, j'ai mon élastique ici. On va faire à peu près 10 exercices pour renforcer nos muscles. Et on va alterner entre les mouvements pour le haut du corps et le bas du corps. Le premier exercice qu'on va faire, c'est pour le dos et l'arrière des épaules. Donc, on va prendre notre élastique à peu près la largeur des épaules, peut-être un petit peu plus large. Et on va tirer l'élastique vers l'arrière. Alors, on tire l'élastique, on pince les omoplates ensemble et lentement, on revient en avant. On essaie de garder les bras pas mal droits quand on fait cet exercice ici. Et deux, on n'oublie pas de respirer. On va faire chaque exercice 12 fois, mais vous pouvez arrêter avant 12 si vous avez besoin. On y va lentement et tranquillement. Et on veut penser à notre posture aussi. Et on est rendu à 6, donc on est à moitié chemin avec cet exercice ici. Pour rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez tenir l'élastique plus proche ensemble. Vous pouvez aussi éloigner les mains pour rendre l'exercice un petit peu plus facile. OK, la gang, il nous en reste juste 4. On y va. 4, 3, 2, et 1. Excellent. On va descendre les bras. Et maintenant, on va se mettre debout à côté de notre chaise. On va utiliser notre chaise dans cet exercice pour nous aider un peu avec l'équilibre. Donc, vous voulez vous assurer que votre chaise est quand même assez stable. On va se mettre debout, juste à côté de la chaise, et on va prendre le centre de notre élastique avec une main ici. Et on va prendre nos deux mains sur le côté ouvert de l'élastique. Maintenant, on va faire attention. On va se pencher et on va mettre le côté ouvert en dessous du pied qui est le plus proche de la chaise ici. Vous pouvez mettre une main sur le dossier de la chaise pour vous aider. Et on va mettre le loop, donc il devrait y avoir un trou ici, par-dessus les orteils de un pied. Sur cet exercice ici, on va travailler le devant de la cuisse, le quadriceps et le fléchisseur de la hanche. Donc, on est debout très droit, on regarde un point fixe en avant, une main sur la chaise pour nous aider avec notre équilibre. Et on va lever le genou vers le plafond à un angle d'à peu près 90 degrés. Donc, le genou n'a pas besoin d'aller plus haut que la hanche ici. Donc, tranquillement, on lève le genou, on maintient la position pendant à peu près une seconde. Et on descend lentement. Encore une fois, on va aller jusqu'à 12 si possible. Puis rappelez-vous, vous pouvez prendre des pauses si vous avez besoin. Si vous avez soif, prenez une gorgée d'eau. Et c'est beau, on est déjà rendu à 4. On respire. Et il nous en reste 8 de ce côté ici. Et on y va. 8. Vous pouvez compter avec moi à la maison. 7. 6. 5.
4. 3. 2. Il en reste juste un. Et c'est bon, les deux pieds par terre. OK, évidemment, il faut qu'on fasse l'autre jambe aussi. Donc, on va plier de les hanches, on garde notre dos aussi droit que possible pour aller chercher notre élastique. Et on va aller l'autre côté de la chaise. On va prendre le centre de l'élastique, on va faire un petit loop ici. Le pied qui est le plus proche de la chaise va aller par-dessus le côté ouvert. Main sur la chaise pour l'équilibre ici et l'autre bout de l'élastique va aller par-dessus les orteils du pied. Encore une fois, on travaille le devant de la cuisse sur l'autre jambe. L'autre jambe devrait être pas mal droite et les muscles sont fermes aussi pour nous aider à être stable dans notre position. Une main sur la chaise pour nous aider avec l'équilibre et on y va, on monte. Et on descend lentement, c'est beau. Encore une fois, on va essayer d'aller jusqu'à 12 ou on en fait autant qu'on peut. On monte lentement, on maintient la position un peu et on descend. On peut sourire en même temps. OK, il en reste 8. Comptez avec moi. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, et dernier, 1. Les deux pieds par terre. On va lever le pied d'élastique et on va chercher notre élastique. Prochain exercice, on va travailler les muscles de la poitrine, un petit peu des triceps et le devant des épaules. Donc, on va prendre notre élastique et on place l'élastique en dessous des aisselles. Si vos jambes sont fatiguées, vous pouvez toujours vous asseoir pour faire cet exercice. OK, donc les coudes sont proches du côté. Et on va tranquillement pousser les paumes de les mains vers l'avant. Et les coudes reviennent à la position initiale. Donc, on pousse vers l'avant. Et on revient à la position initiale. Il en reste 10. Et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. OK, on va maintenant prendre notre élastique en avant et on va s'asseoir sur notre chaise. On va travailler le fessier et le derrière de la cuisse, mais plutôt le fessier, une jambe à la fois. Et pour cet exercice, on veut essayer d'être assis très droit avec la poitrine levée, prendre la tête vers le plafond. On veut imaginer qu'on aurait une petite corde par-dessus le crâne de la tête qui tire vers le haut comme une marionnette. On va prendre notre élastique et on va placer le centre de l'élastique en dessous du talon de un pied. Et on retrouve notre bonne posture. On va lever les bras un peu pour avoir de la tension sur notre élastique. Mais les bras ne vont plus bouger. On veut vraiment se concentrer seulement sur la jambe. On va lever le genou vers le plafond. Et on pousse le talon directement vers le plancher. Puis quand on fait ça, on serre les muscles du fessier sur ce côté-là. Et on monte lentement. Et on pousse vers le plancher. Et on remonte.
Et on va essayer d'éviter de bouger le tronc pendant qu'on fait l'exercice. C'est vraiment juste la jambe qui bouge. Et 4, 5 et 6. On est à moitié chemin pour ce côté-là. Il en reste juste 6. Comptez avec moi. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va changer de jambe. Même chose de l'autre côté. Encore une fois, on veut que l'élastique soit en dessous du talon du pied. Les genoux sont un côté de l'autre, puis les pieds sont à peu près à la distance de les hanches. On va mettre la tension sur notre élastique. On rentre les abdominaux pour stabiliser le tronc. Et on y va. On lève vers le haut. On pousse vers le plancher. Et jusqu'à 12. 2. 3. 4. 5, 6, il en reste juste 6, comptez avec moi, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Maintenant, on va placer les deux pieds en dessous de l'élastique. Et on va tenir notre élastique. Très important ici que les pouces vers le haut. Paume de les mains vers le corps. Et on va essayer d'éviter de faire plusieurs tours avec notre élastique. Parce que ça peut couper la circulation dans les mains. Donc, pouce en haut, paume de la main vers le corps des deux côtés. Les coudes vont rester collés aux côtés. On va travailler le devant des bras ici en levant les poignets jusqu'aux épaules. Et on descend lentement. Les coudes vont rester collés à nos côtés. On descend complètement et on monte. On veut essayer de garder les poignets droits, comme si on serait en train de tenir un marteau. On monte lentement, mais on descend lentement aussi. C'est bon, on continue. 4. Est-ce qu'on respire encore à la maison? 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. On va avancer les pieds. Donc, l'élastique maintenant va être en dessous de les cuisses, juste en arrière des genoux. Les pieds vont être ensemble, genoux ensemble, et on va croiser notre élastique, faire un X ici. Et on va changer le côté auquel on tient notre élastique. Et on va tirer dans le côté opposé pour créer de la tension. On lève la poitrine. Les semelles de les souliers restent plantées par terre. C'est un autre exercice pour le fessier. Donc, on veut que le mouvement vienne de les hanches et non des chevilles. On ouvre les genoux un peu. On maintient la position un peu. Parce qu'on est encore bien assis. Et on revient à la position initiale. Semelle de les pieds reste plantée par terre. Encore une fois, on va faire l'exercice jusqu'à 12. On en a déjà deux de fait. Les épaules vers l'arrière. Et 3... 4, 5, 6, on respire encore, il nous en reste 6, on y va ensemble, 6, 5, 4, 3, 2
1, c'est beau. On va décroiser notre élastique, on va se lever tranquillement. Le prochain exercice, on va faire de la rotation externe qui va travailler les muscles qui sont dans l'intérieur de l'épaule. Donc, on va prendre notre élastique, le centre de notre élastique, et on va placer le centre de l'élastique sur notre chaise et on va s'asseoir dessus. Encore une fois, on veut s'assurer d'être bien assis les deux pieds plats par terre. Et on va aller à travers le corps ici. So, on va aller chercher le côté opposé de l'élastique. Paume de la main vers le plafond et le coude va rester au côté comme quand on avait fait notre flexion des bras. Paume de la main vers le haut. Poignet droit. Sternum va rester au centre et on ouvre le bras un peu du côté ici, vers le mur qui est à côté. Et encore une fois, on revient lentement à la position initiale. Donc, on veut essayer d'éviter de tourner le tronc, c'est le bras qui bouge, on fait de la rotation externe, qui veut dire qu'on tourne vers l'extérieur. C'est beau. Et 3. Quatre, cinq, six, sept, huit, il en reste quatre de ce côté-là avant qu'on passe à l'autre côté, comme évidemment il faut faire les deux côtés, et il en reste 3, 2, et 1. Et on descend l'élastique. On va aller l'autre côté maintenant chercher l'autre côté d'élastique. Paume de la main toujours vers le haut. Encore une fois, on veut essayer d'éviter de rouler l'élastique plusieurs fois autour de la main, qui pourrait couper la circulation du sang dans la main. On commence ici avec notre coude à un angle de 90 degrés, coude au côté, on regarde directement en avant, poitrine, sternum reste au centre et rotation externe vers l'autre mur cette fois, on y va. Et 2, 3, 4, 5, 6, on est à moitié chemin, comptez avec moi, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Excellent. On va se lever encore une fois, juste pour qu'on soit capable de sortir notre élastique. On va faire un exercice maintenant pour les mollets. On va travailler une jambe à la fois. Cette fois, on va aller jusqu'au fond de notre chaise. On veut quand même penser à notre posture, donc on lève la poitrine. Et on va placer le centre de l'élastique maintenant en dessous des orteils de un pied. C'est pas grave quel pied, on va les faire toutes les deux. On lève le pied et on peut garder le genou un peu plié pour éviter de barrer l'articulation. La jambe est pas mal droite, mais le genou est un peu souple ici. On va mettre la tension sur notre élastique et on va pointer les orteils vers l'avant comme si on serait en train d'appuyer sur le gaz quand on conduit notre voiture. Donc, on appuie sur le gaz et on revient, on lève les orteils le plus qu'on peut et on pousse. Lève les orteils. Et on pousse. Très bien. Jusqu'à 12. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10,
11 et 12. On relaxe le pied, pied par terre. Évidemment, il faut faire l'autre côté. Donc, on met le centre de l'élastique en dessous des orteils de l'autre pied. La jambe est droite, mais on essaie d'éviter de barrer l'articulation. Donc, le genou est juste un tout petit peu plié. On met de la tension sur notre élastique et on y va. On pointe. Et on lève les orteils. Encore une fois, on va aller jusqu'à 12 où on en fait autant qu'on peut. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 2 autres, 11 et 12. Les deux pieds plats par terre, on va prendre notre élastique. Le prochain exercice, les prochains deux exercices, je vais les montrer debout, mais si vous êtes, si vous préférez les faire assis sur la chaise, vous pouvez rester assis si vous voulez. Donc, je vais me lever. On va faire un exercice pour le triceps, qui est le muscle qui est en arrière du bras. Donc, on va prendre le centre de l'élastique et on va mettre le centre de l'élastique sur la main, comme ci. Et on va placer la main sur l'épaule opposée. Il y a deux manières que vous pouvez faire cet exercice ici. On peut soit prendre un côté de l'élastique qui est un peu plus facile ou pour un peu plus de défi, on peut prendre les deux côtés. C'est votre choix. Le coude va rester collé au côté, poignet droit, comme si on serait en train de tenir un marteau. Et on tire l'élastique vers le plancher. On reste collé au côté, on remonte lentement et on tire vers le plancher. Et on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous l'avez probablement deviné, on va passer à l'autre bras. Alors encore une fois, on change de main. On met l'élastique sur, par-dessus les doigts. Et on met la paume de la main sur l'épaule opposée. Et on peut soit prendre un côté de l'élastique ou les deux. Coude est au côté, juste à côté de la hanche ici. Et on tire vers le plancher en gardant le poignet droit. Encore une fois, on travaille l'arrière du bras, le triceps. Et on va faire l'exercice à peu près, on va faire 12 fois ou autant qu'on peut. Et 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Excellent. On va faire un dernier exercice. Cet exercice ici travaille un peu l'épaule et aussi les doigts. Donc, on va prendre un bout d'élastique, comme ça, et le bras est en avant avec le poignet en ligne avec l'épaule. Et vous allez voir que l'autre bout de votre élastique touche peut-être par terre, peut-être que non. Et avec juste les doigts, on va lever l'élastique pour emporter l'élastique dans une petite boule dans la paume de la main. Ça, c'est pas une course, prenez votre temps. Puis ça se peut que pas tout l'élastique va rentrer dans votre main, mais faites ce que vous pouvez. Puis si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, on va passer à l'autre côté. OK, encore une fois, on tient le bout de l'élastique avec les doigts dans une main. Le bras est droit
Et le poignet est à la même hauteur que l'épaule. Et avec juste les doigts, on monte l'élastique. Essayez de former une boule avec notre élastique dans la paume de notre main. Est-ce que vous avez fini à la maison? Et c'est bon. On va placer l'élastique sur le dossier de notre chaise. Et on a fini avec nos exercices de renforcement pour aujourd'hui. Et avant qu'on finisse notre workout, on va juste faire une coupe d'étirement pour notre récupération. On va commencer avec un étirement pour le mollet. On va mettre une main sur le dossier de la chaise et on prend un grand pas en arrière avec une jambe. On appuie le talon par terre et on plie le genou qui est en avant pour que le genou soit directement par-dessus la cheville. On regarde en avant. Relaxez vos épaules. On allonge le crâne de la tête vers le plafond. Et on prend des grosses respirations en maintenant nos étirements. Pieds ensemble, on va prendre le même pied et on va mettre le talon un peu en avant de l'autre pied et on lève les orteils vers le plafond. L'autre jambe, on va plier le genou et on pousse les hanches vers l'arrière jusqu'à temps que ça tire un peu en arrière de la cuisse. Et encore une fois, on maintient au moins une main sur la chaise pour nous aider avec notre équilibre. On allonge la colonne de les hanches jusqu'aux aisselles. Et même si on est penché un peu vers l'avant, on veut continuer à lever le sternum. Et on remonte la colonne, deux pieds par terre, on allonge les deux jambes. On va étirer l'extérieur de la cuisse et le côté de la colonne. Dans notre prochain étirement, on va prendre le pied qui est le plus proche de la chaise. Et on va croiser cette jambe en avant de l'autre jambe. Donc, croise le pied en avant de l'autre. On pousse la hanche un peu du côté. On peut soit maintenir la position ici, ou on peut lever le bras qui est le plus loin de la chaise vers le plafond. Un peu plus. On descend le bras, on décroise la jambe et on va changer de jambe, on va changer de côté. On va prendre un grand pas en arrière avec la jambe pour étirer le mollet, talon par terre. Et on plie le genou qui est en avant pour que le genou soit directement par-dessus la cheville sans que le genou dépasse les orteils. Si on a besoin d'utiliser la chaise pour l'équilibre, la chaise est là. Et les pieds ensemble, on va étirer les ischios, donc l'arrière de la cuisse. On prend un petit pas en avant, juste une coupe de pouce en avant de l'autre pied. On lève les orteils vers le plafond. On plie l'autre genou et on fléchit de la hanche en gardant la colonne allongée ici. Les fesses vont vers l'arrière un peu. On baisse le menton un peu pour que la tête soit en ligne avec le reste de la colonne. On veut essayer d'éviter de barrer l'articulation du genou. Donc, le genou est juste un petit peu plié ici. Et on allonge les deux jambes, les pieds par terre. On remonte la colonne. Et on va croiser la jambe qui est la plus proche de la chaise en avant de l'autre jambe. On pousse la hanche un peu du côté. La poitrine est ouverte, les épaules vers l'arrière et si possible, on lève le bras vers le haut. Donc ça va tirer un peu au long de la colonne et l'extérieur de la hanche ici. On descend le bras, on décroise la jambe. Prochain étirement va être pour la poitrine. On va interlacer les doigts ensemble en arrière.
On tire les bras vers le plancher et un peu vers l'arrière. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre vos mains, vous pouvez plutôt mettre les mains sur les hanches et pousser les coudes vers l'arrière. Donc, option numéro 1, option numéro 2. N'oubliez pas de prendre des grosses respirations en maintenant les positions. Et on relaxe les bras. On va mettre une main sur la même épaule. On tire le coude vers le plafond. On peut pousser vers l'avant. Ou si on est capable, on peut tirer vers l'arrière. Un ou l'autre. On rentre les abdominaux ici. Et on veut que le coude pointe en haut vers le plafond et qu'il y a beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. On descend le bras, l'autre côté, main sur l'épaule, on lève le coude vers le plafond, on peut pousser vers l'avant ou tirer vers l'arrière. Et on va prendre une grosse respiration, on lève les deux bras vers le plafond. On expire, on descend les bras. Une autre respiration, on inspire. Et cette fois, on va pousser les mains vers le plancher. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Merci beaucoup de vous être joindre à moi aujourd'hui pour cette session d'entraînement et j'espère de vous voir la prochaine fois. Bonne journée!